Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Wasteland 2. On se retrouve dans l'Oracle des Anges, la nouvelle ville qu'on a décidé d'explorer. Et après un petit tour par les canalisations, nous avons rencontré quelques cafards, nous avons abouti dans cette pièce un petit peu étrange avec un appareil un peu bizarre, des personnes à qui nous pouvons parler. Donc nous nous étions arrêtés là dans l'épisode précédent pour nous laisser la découverte juste maintenant. On est un petit peu amoché, c'est ce que je me rends compte maintenant. J'espère qu'on va pas avoir de combat trop difficile. Alors voyons voir déjà si on fait intuition sur cette machine. Le léger bourdonnement et la chaleur se dégageant de ce récepteur vous indiquent qu'il tourne à plein régime. Un grand panneau comporte une entrée susceptible d'accueillir un répéteur externe. Le boîtier externe de cette radio a été équipé d'un système de verrouillage sur mesure et d'une interface d'ordinateur. Ok. C'est un petit bijou de technologie radiophonique d'avant l'apocalypse. Amoureusement entretenu, soigneusement préservé de la poussière et brillant comme un sous-neuf. Ah, tu vas arrêter de courir dans tous les sens? Voilà, merci. Cet appareil semble pouvoir émettre un signal particulièrement puissant. L'émetteur porte l'inscription Spread Spectrum XMTR 98-6000. Toujours le prévôt qui nous suit. C'est verrouillé et toutes les prières du monde ne le déverrouilleront pas. Ok, alors est-ce qu'on a avec... Qui? Diable! Qu'est-ce que vous foutez là? Garde! Ah merde! Merde! Ok. Alors vous savez quoi? Les amis, je vous propose de recharger. Parce que... On pouvait leur parler à ces gens-là. Et j'ai peur que... On sait pas où on est là, mais j'ai peur que ce soit trop dangereux. Attendez, on va recharger la partie. Désolé pour ce contretemps. Mais je préfère... Je pensais qu'on pouvait leur parler. Mais c'est vrai que bon, des gens qui arrivent comme ça par une porte dérobée, qui passent par des souterrains, tout ça, c'est peut-être pas cool, donc on va se barrer. Allez, on s'en va, vous ne nous avez pas vu, mais on sait qu'on aura éventuellement un passage par ici pour revenir au cas où. Est-ce qu'il y a d'autres sorties? Conduit d'aération, là c'est une porte ici? Non, c'est pas une porte, il y a juste le prévôt qui est là. Bon, du coup, on va revenir ici. Et on va essayer de, bah, tout simplement, de parler aux gens, de savoir un petit peu plus sur cette ville. Parce qu'on n'avait pas beaucoup discuté au final, on était tout de suite allé dans ce conduit d'aération. Ce qui m'embête, c'est qu'on risque de se prendre quelques dégâts à cause des, voilà, à cause de ça. Voilà, il y a l'excanium qui souffre pas mal. J'aimerais bien qu'on tombe sur un médecin qui puisse nous retaper contre quelques morceaux de ferraille. Alors... Mais au moins, voilà, on sait qu'il y a un passage. Alors là, on va encore se prendre des dégâts. Attention, l'excanium. Ouais, ça picote quand même. Est-ce qu'il y en a encore? Je crois pas. Je crois qu'après, c'est bon. Hop, on peut ressortir du coup. Et nous revoici dans les toilettes. Et donc on ne peut pas ouvrir ce machin, on a 0% de chance, donc ça ne sert à rien. Allez, on va retourner. Donc, nous avions exploré par ici. Il y a un ratel à l'extérieur. Ah ouais. D'accord, ça veut dire qu'on pourrait faire le tour éventuellement. Ce qu'on n'a pas essayé la dernière fois, on était rentré directement à l'intérieur de ce stade. Ces gens-là, les Robinson, on leur avait parlé. Il me semble en tout cas. Alors, on peut descendre. Ah voilà, on va descendre dans le stade. Cet endroit est charmant. Des haut-parleurs ont été placés à l'intervalle régulier dans les allées. L'endroit est propre et soigné, une véritable ruche grouillante d'activité. Hey, un marchand. C'est trop bien. Il n'y aura pas de combat ici, n'est-ce pas? Bah, j'espère pas.
Pour un magasin en ruine dans les terres désolées, cet endroit est plutôt bien approvisionné. Ils doivent avoir d'excellentes méthodes de reconditionnement et de recyclage par ici. Bienvenue, estimables nouveaux arrivants. Oh, de nouvelles têtes. Bienvenue au magasin général des anges, voyageurs. Vous souhaitez vendre ou acheter quelque chose? Mon commerce est ouvert. Alors dites-moi plus sur l'oracle des anges. J'étais encore petite lorsque ma famille et moi sommes arrivés ici. Depuis, je me suis toujours senti parfaitement chez moi. Mais j'espère que personne ne compte détruire cet équilibre, voyageur. Qu'est-ce que vous vendez dans ce magasin? Oh, mais nous avons toutes sortes de choses. La plupart nous proviennent de nos équipes de ferrailleurs, mais nous réalisons nous-mêmes les objets les plus techniques. Si vous voulez du matériel médical, allez plutôt à l'hôpital. Si vous voulez faire du commerce, faites-le-moi savoir. Alors, vous pouvez nous dire quoi sur l'hôpital? On a eu quelques problèmes avec nos docteurs. L'un d'entre eux a volé des médicaments. Peut-être pourriez-vous y aller et voir avec le médecin de service si vous pouvez aider. Ah, ça m'arrangerait d'aller à l'hôpital. Parlez-moi de vos équipes de ferrailleurs. Nous avons des équipes qui parcourent le désert à la recherche de tout ce qui pourrait s'avérer utile. Si vous avez quoi que ce soit à vendre, je suis certain que nous pouvons en faire bon usage. Alors, du coup, on va vendre la camelote. Et elle a quoi, elle? Arme contendante. Takayuki, t'as quoi toi? T'as une arme blanche, ok. Et l'excanium, bah ça change rien. Futé, t'as une arme blanche aussi. Le problème, c'est qu'on avait des soucis de munitions. Et là, il y a des munitions. Machette de combat. Ah, ça coûte moins cher. Ah, mais vous avez vu le prix, 1 400 $. On n'a pas ce qu'il faut. Alors, est-ce qu'on a des trucs à vendre? Est-ce qu'on a des choses à vendre? Pas grand chose, hein. Je crois qu'on avait tout vendu il y a vraiment pas longtemps. Et je crois pas qu'on ait ramassé grand chose. On a peut-être quelques pots. Voilà, la montre, ça on peut vendre. Ah non! Bah, ça a pas l'air d'être des objets de quête, ceci dit. Je peux lui racheter? Montre de paladino. Je vais lui racheter parce que je préfère pas. On sait jamais. Ça ressemble quand même à des trucs de quête. Objet de quête, ça en vend pas. Outil Lindy, on va garder. Ouais, donc du coup, en fait, on n'a pas ramassé grand chose. Caillou d'Ali. Gilet et chemise patchwork. Blouse de médecin. Ça, on peut vendre. Ok. J'ai pas de peau de Ragnar ou de machin. Ah, si, voilà. Steak d'opossum. Ah non, je peux pas les vendre. Je peux pas les vendre ces steaks. Bon. Ok. Du coup, on n'a pas de sous pour acheter. Donc, il faudra qu'on revienne quand on pourra lui acheter des munitions. Mais on va aller voir le médecin déjà. Si on le trouve. Le livre nous enseigne. Dans une dispute, le plus fort a le dernier mot. Ne nous disputons pas. Passez une bonne journée. Ok, merci. Du balai, les fouineurs. On fait dans le romantisme ici. Ok. C'est quoi ici là? Shérif adjoint. Grenadière. Cette femme aux cheveux noirs et à la peau olivâtre vous fouille rapidement en quête d'armes, avant de reporter son attention sur les prisonniers avoisinants. J'ai entendu parler de vous, estimable Rangers. Qu'est-ce qui vous amène ici? Les prisonniers ou peut-être cherchez-vous la boutique? Vous pouvez me dire quoi sur ces prisonniers? Ceux qui sont ici l'ont mérité. Les règles ne sont pas difficiles à suivre. Ils ont droit à un procès équitable avec Monsieur Manieres. Puis ils retournent à leur vie d'avant. Enfin, la plupart du temps. Ne leur parlez pas, s'il vous plaît. L'isolement fait partie de leur sentence. Dites-moi plus sur la litière pour chats. Eh bien, Monsieur Manieres en a quelques-unes pour ses chats, mais n'est pas du genre à la partager. Je comprends pas qui pourrait avoir besoin de ça. Pourquoi les chats ne peuvent-ils pas faire leurs besoins dehors comme les chiens? Comment fonctionne la prison? Les lignes sont là pour que les prisonniers sachent où s'arrêtent leurs cellules et où commence leur liberté. Je suis là parce que les Robinson aiment parfois franchir les lignes avant d'avoir purgé leur peine. Dites-moi plus sur Monsieur Manieres. Un véritable visionnaire, estimable Ranger. Il s'est basé sur les fondations de notre passé pour nous mettre sur la voie d'un futur glorieux. Et les Robinson? L'intégration des Robinson aux anges a été un défi pour tout le monde. Les cellules se remplissent beaucoup plus vite qu'avant, mais pas pour des crimes vraiment violents. Enfin, pour l'instant. Et que se passe-t-il si vos prisonniers décident de sortir de leurs cellules avant la fin de la sentence? J'ai pour ordre de les mettre KO et de les remettre du bon côté de la ligne. Ils comprennent vite, pour peu qu'ils aient plus de cervelle qu'un canard.
Et la boutique, ça vaut la peine de regarder. Nous avons pas mal de choses récupérées par nos équipes de ferrailleurs, les meilleures affaires aux anges. Et nous gardons le magasin ici de façon à ce que nos prisonniers soient visibles pour quiconque passe par là. Comment devient-on ferrailleur? Vous voulez faire partie de l'équipe? N'hésitez pas à revendre au magasin les trucs que vous trouverez. Vous pourriez avoir certaines de nos équipes là-bas. Elles aident à amener le savoir-vivre dans les terres désolées petit à petit. Et vous pouvez me dire quoi sur l'oracle des anges? Ma famille est arrivée ici avec les premiers colons. Cela fait des générations que nous bâtissons cet endroit. Il n'est pas facile de le voir débarquer des étrangers année après année, mais comme Monsieur Manirès le dit toujours à la radio, comment pouvons-nous rendre le monde plus civilisé si nous ne faisons pas l'effort de partager notre civilité? Vous recevez des émissions radio dans le coin? Quand Monsieur Manirès a commencé à utiliser la radio pour inciter les gens à rejoindre les anges, nos parents se sont dit qu'il était fou et qu'ils allaient attirer sur nous l'attention de tous les pillards du désert. Il s'est avéré qu'il avait raison d'accorder sa confiance aux gens. La radio était une véritable bénédiction pour nous. Au revoir. A plus, estimable Rangers. Ok, bon, bah on va pas parler à Jonathan le prisonnier. Ah, Ours n'est plus malade. Mais c'est tellement difficile d'être gentil tout le temps, c'est pas dans nos habitudes. Vous permettez, on cause entre filles. Alors, to press both. Press both? Ah, je sais pas ce que ça veut dire. Alors, est-ce que j'ai raté des choses par ici? Il y a un gros canon, il y a un agent de la PB. Alors, l'hôpital. J'aimerais bien trouver l'hôpital. Ici, on a des Robinson et des maniéristes. Ici, on a Monsieur Paladino. Allez, on va parler à Monsieur Paladino. Où est ma montre? Quelqu'un a vu ma montre? Eh mais oui, on l'a, sa montre. Je me souviens du père de Monsieur Manirès. Grand Dieu qu'il a pu se montrer grossier sur son lit de mort, trop amer pour la marmite qu'il disait. Eh petit, rends-moi un service, veux-tu? C'est quoi votre service? Écoutez, j'étais dans la police de la bienséance autrefois, et je me souviens d'un vieux cabinet de dentiste vers l'est. On y trouvait tout, y compris de la pâte à dentier. Et moi, j'ai besoin de cette pâte pour coller mes dents et pouvoir manger. Ramène-moi un peu, je te donnerai du bon matos. Ça vous intéresse? Ouais. Tu iras loin si tu continues comme ça, petit, je t'aime bien. Regarde, je vais t'indiquer l'emplacement sur la carte. Ok, dentiste de Brentwood. C'est très à l'ouest. C'est quoi de la pâte à dentier? De la colle pour fausses dents? J'en ai vraiment besoin, sinon je peux rien manger de solide. Voilà, nous avons trouvé votre montre. Ça alors? Super! Merci. Alors c'est Ktiling qui l'avait prise? Non, un dénommé Runyon. Ah, eh bien je suis content de l'avoir récupéré. Vous ne me croirez pas si je vous disais où mon grand-père a caché cette montre pendant la guerre. Tenez, voilà un peu de ferraille pour votre peine. Vous savez quelque chose sur la litière pour chat? Quoi? Pour les radiations? Eh bien, plus personne par ici ne les utilise pour ça. Mais je sais que Monsieur Manirès en a pour ses chats. Vous pouvez lui en demander, mais il refusera probablement. Poliment, bien sûr. Ok, on va pas lui parler. Alors, à la prochaine. On a gagné combien de ferraille? 500. Ouais, on a dû gagner 50 quelque chose. Du coup, on a bien fait de garder... La montre. Qui est la montre? C'est Ours. Donc, outil de Lindy. Note de Malaki. Et carte d'identité de Runyon Pearson. Ah oui, c'est celui. D'accord. Il y a quoi là-dedans? C'est verrouillé. Tout est verrouillé. Ok. Bon, on va laisser les chiottes tranquilles après tout. Paladino. Alors. Là, il y a des gens, ok, des chiottes partout. Arti, ok, Arja, Rabin. Arjourna, c'est la troisième fois que je suis réprimandé. Que s'est-il passé? Le shérif Marshall m'a encore surpris avec des pellicules sur ma chemise. Je suis bon pour la hache ce mois-ci. Impossible, il doit y avoir quelqu'un de pire, Malcolm. Par exemple, celui qui rote à tous les dîners. Il ne le fait plus, il mâche 20 fois avant d'avaler maintenant. Mince. Et Edna a des fermes. Ses ongles sont toujours sales et mal coupés. Elle a été dans la patrouille de cuisine ces dernières semaines. Ses ongles sont propres. Et si on se faufilait dans les dortoirs pour mettre des livres interdits sur sa couchette? Tu veux dire la faire exécuter à ma place? Je pourrais pas vivre avec un tel fardeau. Au moins tu vivrais. Je ne sais pas. Peut-être qu'il y a un autre moyen. Impossible. Ah merde, les Rangers. Je veux dire, c'est un plaisir de vous rencontrer, estimable Rangers. Nous ne disions rien de mal, juré.
Ah, j'ai pas de petit malin. Ah. Petit malin niveau 7. Et futé, il peut pas progresser, hein, j'imagine. Compétence, petit malin, non, il me faut 4 points. De toute façon. Voilà, j'étais sûr que je pouvais plus lui dire. Que voulez-vous? C'est le shérif qui vous envoie. Pourquoi pensez-vous être condamné? Le shérif Marshall m'a encore surpris avec des pellicules sur la chemise. Elle m'a donné un nouveau blâme. Si elle m'attrape encore, je suis sûr d'être exécuté le mois prochain. À moins que vous ne puissiez m'aider. De quelle sorte d'aide avez-vous besoin? Je suppose que vous n'avez pas de shampoing sur vous. J'ai de gros soucis capillaires, et quel que soit le nombre de fois où je me lave les cheveux, je n'arrive pas à me débarrasser de ces pellicules. Vous avez besoin de quel genre de shampoing? Je suis pas exigeant, je prendrai tout ce que vous trouverez. Cependant, l'autre fois, quand j'étais corvée de récupération, je suis tombé sur une bouteille vide de shampoing Petit Dap anti-pelliculaire. Si vous pouvez m'en trouver, je serai en mesure de me débarrasser une fois pour toutes de ces pellicules. Je pourrais aller voir le shérif et lui mettre mes cheveux sous le nez. Vous pensez que le shérif en a après vous? Pour sûr, je leur ai déjà dit que j'avais des problèmes de peau, mais elle continue à me donner des blâmes. Elle dit que mes pellicules sont un signe de mauvaise hygiène. C'est pas vrai, je me lave les cheveux tous les jours. Ok, il faut que je trouve du shampoing, super. Bon, de quel genre de... flûte, une porte. Vous en avez déjà vu beaucoup, des comme ça. Il y a quoi derrière? Il y a un coffre. Est-ce qu'on peut l'ouvrir? Ou est-ce que c'est piégé? Non, on peut l'ouvrir. Le coffre est estampillé munitions. La caisse a survécu à l'apocalypse. Ok. Bah écoutez, je prends des munitions. C'est toujours bon à prendre. Alors, du coup, on n'a rien trouvé d'extraordinaire ici, si je comprends bien. Château d'eau. Hôpital. Ah, l'hôpital, il est là. Bah j'ai... Oula, 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 oula. C'est quoi ça? Canon à maison. Mécano, l'excanium. Est-ce qu'on essaye de faire quelque chose en mécano là? Fletcher. C'est un prisonnier lui. Étranger, estimable étranger. Un moment s'il vous plaît. Je ne fais que garder le prisonnier, estimable visiteur. Oh merci. Merci, j'espère que vous pourrez arranger la situation. J'ai été injustement emprisonné. Pourquoi ne pas vous échapper? Je ne ferai jamais ça, jamais. Ça serait vraiment grossier. Pourquoi êtes-vous emprisonné? Monsieur Manirès sait que je suis innocent. Je suis sûr qu'il le sait. J'avoue, je n'ai pas lavé ma chemise 2 semaines de suite. Et je n'ai pas non plus rangé ma chambre. Ce qui semblerait a provoqué une invasion de cafards. Mais ce n'est pas délibéré. J'étais seulement déprimé. Demandez à ma femme. D'habitude, je suis très propre et je peux l'être à nouveau. Qu'est-ce qui s'est passé avec les cafards? Ils se sont introduits dans ma chambre depuis les tunnels de maintenance. J'assume l'entière responsabilité de les avoir laissés entrer. Mais j'ai aidé à les éliminer et je me suis excusé. S'il vous plaît, vous devez m'aider. Pourquoi étiez-vous déprimé? C'est personne. Bien, ma femme se montrait distante ces derniers temps. Elle ne voulait plus me parler et elle me disait pas pourquoi. J'ai eu peur de l'avoir déçue. Mais elle n'a jamais voulu ce qui s'est passé. Ça m'a mis un coup. Vous pouvez me dire quoi sur votre femme? Elle s'appelle Elisaveta Shestakova et vous la trouverez probablement du côté de la ferme, près des panneaux solaires. Elle et Monsieur Manirès sont bons amis. C'est d'ailleurs ce que je comprends pas. Ils ne voudraient certainement pas la rendre malheureuse. Et qu'est-ce qui pourrait la rendre plus malheureuse que l'exécution de son mari? Comment pouvons-nous vous aider? Dites juste à Monsieur Manirès que je suis innocent. J'attendrai ici patiemment jusqu'à ce qu'il me libère. Je sais qu'il me libérerait si j'avais l'occasion de lui parler. Pourriez-vous aller le voir dans ses quartiers et lui demander de venir écouter ce que j'ai à dire? S'il vous plaît. Il vit dans la cabine en haut des escaliers, juste à côté de la prison. S'il vous plaît, parlez à Monsieur Manirès, qu'il vienne entendre mon plaidoyer. Je ne comprends toujours pas son démérite, son infraction. Pourquoi il se fait taper sur les doigts son crime? Oui, j'avoue que c'est un peu compliqué. Alors, est-ce qu'on essaie de faire un truc, là? On va peut-être faire une petite sauvegarde. Hop, yep. Voilà. Et si je fais ça? Puissance maximale. Ah, j'ai augmenté la puissance. Bon, ça fait... Faut espérer que je n'affronte pas cette chose. Alors là, il y a une porte. Jean Kronk. On va ouvrir la porte. Hein. Ces pommiers portent des fruits superbes. Ils sont lisses et ronds et élégants
et leur seule présence vous fait vous sentir mieux. Sacrée belle ferme, presque aussi bien que la nôtre. Bon écoute, espèce de pauvre taré de connard, ne verse pas ce putain d'engrais directement sur la plante. Nous procédons toujours ainsi, estimable invité. J'en ai rien à foutre de la façon dont tu procèdes, tu fais de la merde, voilà tout. Oui, il faut bien avouer que nos herbes sont souffrants. C'est du sarcasme? C'est pas un peu grossier le sarcasme? Et si je te disais que je supporte pas de voir ta sale gueule? Je m'excuserai probablement, et j'évoquerai la possibilité de vous arracher les yeux, afin que vous n'ayez plus à les regarder. Oh, tu me menaces maintenant? Ce n'est pas vraiment une menace si je m'exécute. Va te faire foutre. Oh, le mec. Sainte mère de Dieu, qu'est-ce qui se passe ici? Shérif, je suis parfaitement désolé de devoir vous déranger. Est-ce que Red Fern est mort? Non, madame, il s'est montré terriblement impoli. Monsieur Manierès dit, je suis au courant de ce que raconte Richard. Et toi, t'es au courant de que tu dois aller au trou, non? Oui, madame, je m'y rends tout de suite. Bon, Red Fern, on va te relever et t'amener à l'hôpital. Ok. Ok, ok, bon, il y a des petites tensions quand même, hein? Le livre nous enseigne, il est impoli de négliger votre apparence et la propreté de votre habitation. Nettoyez votre chez-vous, brossez-vous les dents 2 fois par jour et prenez une douche quotidienne. Si vous faites les choses correctement la première fois, on ne vous punira pas pour les avoir mal faites. Passez une bonne journée! Eh bah dis donc. Alors ici, qui est là? Robinson et Maniériste, ok, bon, on va éviter de leur parler. Mais comment c'est possible que tu aies été promu à ma place? Tu sais rien faire du tout. Parce que je sais comment dire aux gens ce qu'ils doivent faire. Mais ce n'est pas une vraie compétence. On doit avoir un minimum de qualification avant de... Ferme là et retourne bosser. Eh bien. Alors ça ici c'est le château d'eau. Jane Kronk. Je sais pas ce que vous voulez mais ça m'intéresse pas Rangers. Ou Jean peut-être. Je sais pas comment on dit. Ok, donc il veut pas qu'on lui parle, lui. Un peu étonnant. Alors, ici, il y a des tracteurs, un tracteur, du matériel. Qu'est-ce qu'il y a d'autre par là, du coup? Ah ouais, c'est un grand stade, en fait. Ah, il y a une tombe. Ce crucifix semble plus païen que chrétien. On dirait aussi que l'épouvantail qui figure est fait de lanières d'osier et d'ossements humains. Ok. Roy Jerly. Salut, Rangers. Roy Jerly. Rebonjour. On s'est déjà rencontrés, n'est-ce pas? Que faites-vous dans les champs de maïs et de pavots? C'est pas souvent qu'on a des visiteurs par ici. L'air nous rend tous un peu dingos. Moi, c'est Roger. Roger Jerly. Je vous l'avais déjà dit ou pas? Parlez-nous du maïs. C'est délicieux, c'est nourrissant et ça pourrit les sols. Un vrai drain d'eau. Heureusement que nous avons toutes ces chèvres pour produire du bon engrais. Et alors ça, c'est du pavot. Ouais, vous voyez bien que le sirop qui sort des bourgeons, non? Ces fleurs sont comme un aller-retour pour le pays des rêves. Nous les utilisons pour faire de la morphine et des antalgiques. Et quel genre de visiteurs passent dans le coin? Y a que nous, les ouvriers, en gros. Je me souviendrai peut-être que si quelqu'un rentrait, peut-être... J'ai déjà dit, peut-être. Bonsoir. Roger, calme-toi. Commence pas à péter un plomb. A plus tard, estimable voyageur. Ok, du pavot. Eh, ils ont même une réserve d'eau ici. Ce qui est plutôt pas mal. Bon, on n'est plus aussi dans le désert, mais bon. Lindy, tiens, on a des choses à elle. Et salut, Rangers. En voilà une belle bande de grands gaillards et de belles jeunes filles. Pourrais-je tenter de vous convaincre de m'aider à réparer les ventilateurs? Qu'est-ce qui cloche avec les ventilateurs? Il manque quelques pales aux ventilateurs et les gens qui ont construit utilisaient le système métrique à la place de l'impérial. Pouvez-vous aller au magasin pour voir s'ils ont les pièces de rechange que j'ai demandé? Sinon, tout ce qu'on a, c'est de l'air fétide qui sort de ces conduits. Que pouvez-vous nous dire sur les conduits? Ils permettent à l'air intérieur de rester frais et ils aident à nous débarrasser des doux parfums de l'humidité. Leur efficacité est déjà très limitée à cause de tous ces conduits d'aération bloqués. Et c'est pour ça que j'ai besoin de faire fonctionner le ventilateur. Les conduits sont bloqués? Certains, oui. Pour empêcher les cafards d'entrer, ils se glissent dans les tunnels de maintenance. S'attaquent à la nourriture, blessent les gens.
On vient juste d'en bloquer un autre dans les dortoirs. C'est ce qui a valu tous ses ennuis à Fletcher. Il avait laissé de la nourriture, des vieux vêtements, tout un tas de cochonneries, et les cafards ont débarqué droit sur sa couchette. C'est quoi les tunnels de maintenance? Un ingénieux concept d'avant-guerre. Toutes les parties du stade sont connectées par des tunnels souterrains, et tout l'ancien système de ventilation et de matériel énergétique est là-dessous. Si vous voulez aller quelque part rapidement, prenez les tunnels. Tant que la compagnie et de quelques arthropodes vous gênent pas. Des cafards, Burke. Ils sont vraiment dangereux, ces cafards? D'habitude, je n'ai pas froid aux yeux, mais la vue de la gueule béante d'un cafard géant ne me réjouit pas particulièrement. Tenez, on a trouvé votre trousse à outils. Ah merde. Le voleur était un dénommé Ruyen. Oh super, je l'avais perdu. Alors c'était Gatling qui l'avait prise? Non, Ruyen. Ruyen, vraiment? Je n'aurais jamais pensé qu'il était capable de ça. Eh bien, merci de m'avoir ramené mes outils. Tenez, laissez-moi vous donner un petit quelque chose pour la peine. Arrivederci, Rangers. Ok. Un conduit de ventilation ordinaire qui ne fait qu'avaler et cracher toute la journée. Ok. Alors là, il y a les panneaux solaires. Ok. L'air est épais, empli du bruit, de l'odeur des chèvres. Ah. Ok. Alors, Slargos. Faites pas attention à moi, je suis juste un gars qui charrie du fumier de chèvre tous les jours, toute la journée. Ok, bon, bah on fera pas attention à toi. Hop. Eh ben, c'est pas mal tout ça. Alors, Ethan. Oh, il y a de la bouse. Ok, doucement, Bessie. Merde! Veuillez excuser cet emportement, estimable auditeur. Bonjour, Gus. D'ailleurs, pourquoi t'appelles-t-on Gus? Tu es bien une femme. Oh, Dieu! Bonjour, Flora. C'est qui la jolie petite fleur? Merde! Oui, je sais, mes mains sont froides. Arrête d'essayer de m'encorner. Si j'avais des gants, ce travail serait beaucoup plus simple. Oh, salut, Rangers. Vous êtes venus voir ces magnifiques créatures? Tout le monde aime les chèvres. Des êtres si nobles. Vous devriez vous procurer des gants de traite. Mon Dieu, ce serait m'enlever une sacrée épine de pied. Je n'aurais plus à me soucier de mes mains gelées. Vous n'auriez pas que je pourrais emprunter? Non. Ah, oh, ça perle. Tant pis. Si vous en trouvez, vous me le direz. On dirait que vous avez des problèmes avec les chèvres. Ouais, je dois traire toutes ces chèvres, mais elles n'aiment pas quand mes mains sont trop froides. Pourquoi vos mains sont froides? Je suis comme ça, ok? Je sais pas pourquoi ils m'ont collé le type avec les mains gelées à la traite, mais je me plains pas. Je veux dire, je me plains, mais je suis content d'avoir ce boulot. À quoi ça sert ce lait? Nous l'utilisons pour plein de choses. Boissons, fromage, beurre, peinture corporelle. Monsieur Manires adore tous les produits à base de lait de chèvre. Ouais, il est incapable de résister à un bon verre de lait de chèvre, ok. Est-ce qu'il y a autre chose là-dessous? Non, il y a l'air de rien avoir. Alors, du coup... Cabane d'entretien, Lindy... Château d'eau, presbytère... D'accord, le presbos, là c'était le presbytère. Du coup, faut que j'aille au magasin pour... Qu'est-ce que j'ai fait? Voilà. J'ai appuyé sur X pour changer de main. Bon, on va aller voir le vendeur et puis après on ira à l'hôpital. Je pense de toute façon que le vendeur, s'il doit me donner des choses pour les conduits, ça devrait le faire. Alors, il est où ce vendeur? Non, c'est pas par là, c'est par là. Allez, go! Eh oui, c'est dur d'être gentil, hein, effectivement. Ça, je veux bien. Alors, est-ce que... c'est Lindy Lou qui nous envoie pour les pièces du ventilo. Elle vous a recruté comme commis, hein? C'est bien aimable de votre part de l'aider. On a reçu sa demande et on attendait juste qu'elle passe les prendre. Voilà pour vous, merci vraiment. Normalement, on utilise les chariots. Mais vous, vous avez l'air costaud, je pense que ça vous posera pas de problème. Revenez quand vous voulez. Ok, bon bah écoutez, hein, petite quête FedEx. Si elle est aussi simple que ça, ça va le faire. Ce sera de l'XP gagné assez facilement. Allez, go. On retourne voir Lindy. Et après, go à l'hôpital, hein. Donc c'est plus grand que ce que je pensais à l'intérieur de ce stade. Je pensais que ce serait rond.
Après, il faudrait qu'on aille sur les côtés aussi. Ça nous prend un petit peu de temps d'explorer tout ça. Alors, Lindy, t'es là. Vous m'avez décoté ce ventilateur, Rangers? Ouais. Eh bien, merci, vous êtes des amours. Je vous dois bien un petit quelque chose en remerciement. Arrivederci. Hop. Bon. Le journal. Est-ce que c'est résolu du coup? Aider Lindy, c'est résolu. Ok. Bon. Allons à l'hôpital. On a encore des objets acquis d'ailleurs. On a encore Malachi. Et donc le fameux Runyon. Malachi. Malachi. Alors, on va aller à l'hôpital. Jen. Je vais voir parce que normalement les persos le prévôt qui nous suit toujours, ils vont apparaître ou pas? Hein, ils apparaissent que si je fais merde, c'est dommage. Ah! Echo 1, ici base de Santa Fe, répondez. On est là. Nous avons un appel de détresse de la maison de plaisir près de votre position. Le propriétaire dit que la milice de Dieu a tué plusieurs femmes et purifie tous les pécheurs qui se présentent à la porte. On envoie les coordonnées, vous confirmez? Le bordel de Culver City. Ah, juste à côté de l'oracle des anges, quoi, il y a un bordel. Ok. Confirmé. Compris. Et c'est vous qui voyez, hein, mais personnellement, je me range du côté des dames. Base de Santa Fe terminée. Ok. Du coup, ok. Alors, je voulais voir s'il n'y avait pas. Agent, maniériste, tatata. Oh, allez, go à l'hôpital. Et puis, ouais, après avoir vu un endroit rempli de bonnes manières, allez. Ah, merde. Restez où vous êtes, estimé Ranger, s'il vous plaît. Ne bougez pas. Notre prisonnier Irwin Fletcher s'est échappé de sa cellule sur place. C'est étrange, vous arrivez et il disparaît. C'est même plutôt suspect, dirons-nous. Voilà le marché, vous choisissez parmi votre bande de joyeux lurons celui qui sera notre otage, puis vous retrouvez Fletcher, s'il vous plaît. Si vous trouvez Fletcher et vous le ramenez vivant, vous pouvez récupérer votre ami. Mais si vous le tuez ou vous ne parvenez pas à le restituer, eh bien dans ce cas, nous avons une exécution de prévu et ça ne nous posera aucun problème de procéder avec un étranger impliqué dans l'évasion de l'accusé. Ce sera même encore plus probant comme démonstration, vous ne croyez pas? Suspect, nous? Des maniéristes de confiance ont rapporté de récentes conversations entre vous et les fugitifs. J'ai parlé avec un fugitif, moi? On gagne quoi à le ramener? Je suppose qu'on pourrait conclure un marché. Que diriez-vous d'un accès à la radio si vous faites du bon boulot dans cette affaire? Qu'est-ce qu'elle a de si spécial, votre radio? Grâce à nos équipes de ferrailleurs, nous avons rassemblé les pièces pour fabriquer une des plus puissantes radios de Californie. Si vous êtes vraiment les chantres de la loi et que vous prétendez être, il vous incombe de diffuser votre message à une plus large audience. Vous avez des indices? Au risque de faire le travail à votre place, vous pourriez toujours vérifier la zone autour de la cage pour trouver des pistes. Ah, c'est le mec auquel j'ai parlé, d'accord. Mais, ah oui, non, il est... Ah, fait chier. Bon, alors du coup, c'est l'ex-canium hein, qui va rester, je pense, parce que c'est lui qui est le moins utile, entre guillemets. Je vais rester comme otage. Mes hommes vous escorteront jusqu'à votre cellule. Et vos affaires seront placées en sécurité dans notre armurerie. Si votre équipe souhaite parler à Monsieur Manires, il peut y aller. Je vais la mettre sur la liste des visiteurs. Ouais, c'est bon, c'est bien, ça a bien marché. Putain, j'ai perdu un membre de mon équipe. Bon. Votre attention, estimable citoyen. Je viens d'apprendre que Fletcher a eu l'audace de s'échapper. Merci de garder l'œil ouvert et de rapporter à l'agent de la police de la bienséance le plus proche toute activité suspecte. Ok. Jusqu'à ce que cette affaire soit résolue, l'exécution est suspendue. Vu que nos invités, les Rangers du désert, sont des forces de maintien de l'ordre, ils participeront à l'enquête. L'un des rangers du désert a généreusement offert de prendre la place de Fletcher, jusqu'à ce que Fletcher soit retrouvé, ramené sain et sauf. Je suis certain que cela leur donnera la motivation nécessaire pour ramener notre ami Fletcher au plus vite. Bonne journée!
Ok, bah écoutez les amis, je vois il y a des personnes là à qui on n'a pas parlé, Tori. Du coup, on va se quitter là pour cet épisode, un épisode pas mal avec pas mal de blabla, mais aussi un petit rebondissement assez assez imprévu avec du coup l'emprisonnement de notre compagnon Lex Canium et il va falloir qu'on se mette à rechercher ce fameux Fletcher. Merci beaucoup de m'avoir suivi et à très bientôt les amis. Salut, salut!